Le 23 février 1868, à Lahoukou en Chine, un missionnaire belge du nom de Théophile Verbiste est décédé. En août 1865, avec d'autres compagnons, il avait commencé son expérience missionnaire en Chine. Mais revenons en arrière. Comment cette aventure a-t-elle commencé ? Tout a commencé ici, dans ce faubourg de Bruxelles, lorsque Théophile Verbiste, un jeune prêtre diocésain, eut l'idée de se lancer dans une expérience missionnaire qui serait la mission belge en Chine, de Chine, pour la Chine, comme il l'écrivait. Il avait mûri cette vocation missionnaire pendant un certain temps, spécialement depuis le moment où il était devenu directeur de l'Association de la Sainte Enfance en Belgique. Cette association se souciait d'aider les enfants abandonnés dans beaucoup de parties du monde, y compris la Chine. Verbiste découvrit que c'était là le cadre dans lequel il voulait vivre totalement sa vocation missionnaire. Ce rêve, d'autres jeunes prêtres de la capitale belge le connaissaient. Eux aussi étaient attirés par l'idée de se consacrer à la mission en Extrême-Orient. Il s'appelait Alois van Seckveld, François Vranckx et Rémy Verlinden. L'occasion sembla se présenter en 1860, à la suite du traité franco-chinois qui ouvrait les frontières de cet immense pays asiatique aux œuvres de la religion chrétienne. Le cardinal Sterckx, archevêque de Malines, désapprouvait tout à fait cette initiative. Verbiste et van Seckveld se tournèrent alors vers Monseigneur Gonel, le nonce apostolique du Saint-Siège en Belgique, et lui demandèrent de plaider leur cause auprès du cardinal Barnabo, préfet de la Congrégation pour la propagation de la foi à Rome. Finalement, les choses se mirent en mouvement. Mais parmi les conditions imposées par les supérieurs ecclésiastiques de Verbiste, il y en avait une nouvelle. Un projet missionnaire en Chine serait possible uniquement si un vrai institut missionnaire était fondé, avec un gouvernement général, ses propres règles et des possibilités de formation pour de futurs missionnaires. De fait, les fondements étaient posés pour une nouvelle fondation religieuse. Verbiste et ses amis étaient d'abord vraiment effrayés, mais ils furent rapidement apaisés quand ils découvrirent que d'autres prêtres montraient de l'intérêt dans le projet en cours. Cela les convainquit de presser les choses. Tout d'abord, il leur fallait trouver une résidence et une maison de formation pour l'Institut. Comme cela arrive souvent, la main invisible de la Providence est intervenue. En 1862, cette statue de Notre-Dame de Grâce se trouvait dans une petite chapelle qui était là, dans un endroit où se manifestait, depuis le Moyen Âge, une profonde dévotion populaire à la Vierge Marie. La chapelle appartenait à M. Jean-Charles Brabant qui, volontairement, la céda à la congrégation naissante. Peu après, une certaine demoiselle, Marie-Françoise Mas, leur fit cadeau d'une maison adjacente à la chapelle. Ainsi, en quelques mois à peine, la première structure de la congrégation était née. La chapelle et la maison se trouvaient dans un faubourg de Bruxelles appelé Skeut. C'est ainsi que la congrégation fut connue sous le nom de « Missionnaire de Skeut ». La congrégation est dédiée au cœur immaculé de Marie. Toute la spiritualité de l'Institut est centrée sur la dévotion à Marie. Marie est la première et de façon la plus évidente, un exemple du don de soi pour faire connaître le nom du Christ. Sa foi totale dans la parole de Dieu
en a fait l'idéal du missionnaire. Comme le père Verbiste l'écrit souvent, elle est la seule vraie force agissant à la base de leur œuvre. Le but général de la congrégation est la conversion des infidèles. Le but spécifique est la prédication de la foi aux Chinois et le salut de beaucoup d'enfants abandonnés. Dans la foulée, les autres articles de l'association furent écrits et approuvés en novembre 1862 par le cardinal Sterckx. La congrégation du Cœur Immaculé de Marie était fondée et le père Verbiste en devenait le premier supérieur. En 2 ans, les 4 premiers membres devinrent 12. Pendant ce temps, l'entraînement continuait en préparation à la première expédition vers la Chine. Aujourd'hui, dans la maison mère, à Skeut, nous trouvons un superbe musée chinois. Dès le début, les jeunes skeutistes qui se préparaient au départ recevaient une initiation au langage et à la culture chinoise. Une exigence essentielle s'ils voulaient réussir à comprendre une civilisation aussi différente de celle de l'Occident. L'idée du fondateur, c'était d'envoyer des objets de la culture de Chine, hein, ici en Europe, pour aider ceux qui se préparent à partir comme missionnaires en Chine, d'avoir quelques connaissances de la culture, de la langue, des religions, etc., des manières de faire, de penser. Et c'est pour ça que c'est ainsi que ce musée s'est tout doucement établi, hein, depuis le début 1862. Finalement, en août 1865, le premier groupe se mit en route. Il comprenait 4 prêtres et un frère laïc, Théophile Verbiste, Alois van Seckfeld, François Vranckx, Ferdinand Hammer et Paul Splingard. Destination, la Chine. Il devait y remplacer des prêtres lazaristes dans l'immense territoire situé au nord de Pékin. Restèrent à Skeut 2 membres importants de l'équipe qui avait fondé la congrégation. Jacques Bax, directeur du noviciat, et Rémi Verlinden, qui allait l'assister dans les obligations découlant de l'organisation et des cérémonies. Après 2 mois de traversée en mer, le groupe de Verbiste entra à Pékin le 25 novembre 1865. 4 jours plus tard, les missionnaires laissèrent la capitale pour aller vers le nord, au-delà de la Grande Muraille. Et après avoir franchi des montagnes, ils découvrirent le village de Shivanse. Ils étaient arrivés. La première mission skeutiste pouvait planter ses racines. Un an plus tard, un second groupe les rejoint. Le travail d'évangélisation pouvait monter en fleurs avec l'aide des collaborateurs chinois. En 1866, le territoire où ils étaient au travail s'agrandit. Hammer fut nommé dans le district de Heishui et Van Seckfeld à Xiamao Ergu. Vranckx resta à Shiwanse avec Verbiste pour diriger le séminaire local. Au début, les missionnaires s'adressèrent surtout aux chrétiens de l'endroit. Mais avec l'arrivée de nouvelles forces, ils purent se concentrer sur l'évangélisation des non-croyants et prendre soin des orphelins. Finalement, environ 400 enfants furent logés dans 5 bâtiments. Ce furent des années très difficiles, marquées par le doute, le manque de tout, surtout de ressources, le climat hostile, les difficultés du langage, les maladies aussi qui emportèrent de nombreuses vies, entre autres celle de Van Seckfeld. Finalement, même le fondateur succomba, emporté par une fièvre typhoïde, alors qu'il était en visite pastorale. Son corps fut enterré à l'intérieur de la petite église de Laogu. En 1930, ses restes furent ramenés en Belgique. Il repose maintenant dans la chapelle de la maison mère à Skeut.
Verbiste était un homme de foi profonde, généreux et très ouvert. Il était capable de former les premiers missionnaires par son exemple. Il partageait leurs problèmes et leurs joies. On l'aimait pour son zèle apostolique sans limite. Il contribua largement à faire de la congrégation Corunum et Anima Una, ce qui signifie « un seul cœur et une seule âme ». Il reçut la lumière de l'Esprit et se rendit totalement disponible comme Marie. Jusqu'à aujourd'hui, son charisme brûle et rayonne chez ceux qui ont embrassé son idéal missionnaire. Bientôt, d'autres problèmes, bien plus sérieux, associés à la situation politique de la Chine, s'ajoutèrent sur place aux premières difficultés des missionnaires. Après les deux guerres de l'opium qui avaient marqué ce siècle, vers la fin des années 1800, un autre mouvement anti-occidental, les Boxers, souleva une série de violentes révoltes contre les avancées coloniales dans l'Empire de Chine. Il y eut aussi des missionnaires de Scut, victimes de ces violences, qui versèrent leur sang. 7 membres de la congrégation furent mis à mort dans d'indescriptibles tortures, y compris Ferdinand Hammer, l'homme qui, peut-être, avait le plus incarné l'esprit de Scut. Verbiste le décrit dans certaines de ses lettres. Le bon Hammer est un bon missionnaire. Il est un vrai Chinois, le seul parmi nous qui a adopté entièrement les habitudes et la nourriture locale. Ses chrétiens lui sont fort attachés et l'aiment comme un père. Hammer reste une figure centrale de la congrégation, non seulement à cause de son martyre éclatant, mais surtout parce qu'il représente le plus clairement son esprit et son charisme, l'habileté à adapter le message de l'Évangile à une société et à une culture radicalement différente. Aujourd'hui, cette caractéristique est une part de l'identité la plus profonde de la congrégation. Une organisation internationale qui fait de l'intégration et de l'inculturation les clés essentielles pour ouvrir les cœurs à la parole du Christ dans le monde entier. Après la mort de Verbiste, la congrégation vécut un moment anxieux et désorienté. La structure de l'organisation était toujours fragile et incertaine. Trop peu de candidats manifestaient la vocation de porter le fardeau de l'engagement missionnaire. Heureusement, deux successeurs de Verbiste, François Vranckx et Jérôme von Herzeller, furent à même de diriger la congrégation d'une main ferme, de sorte qu'elle se renforce et se développe. Verbiste, le fondateur, avait un conseil responsable de la direction de la congrégation. Le premier assistant était là aussi au séminaire à Sivens. Et lui a convoqué les autres assistants et ils ont pris quelques décisions importantes. Parce qu'il fallait une solution si on voulait que la congrégation continuait à vivre. Et finalement, ils ont décidé que Vranckx lui-même, le premier assistant de Verbiste, rentre en Europe. Alors, arrivé à Bruxelles, il s'est dit, mais comment continuer maintenant, hein? Alors, il a averti, ici le cardinal à Bruxelles, à Malines, Sterckx. Il a averti Rome aussi. Tout le monde devait savoir, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Notre fondateur, il est mort, hein? Mais alors, Vranckx était un homme, disons, élu par le Seigneur pour continuer. Hein. Il avait un don organisateur formidable. Alors, il a commencé en 1870 aussi la construction d'un séminaire. Et au-dessus de l'entrée, il y avait une grosse pierre avec l'inscription en latin « Seminarium Proscenis ». Parce qu'il disait, il leur faut une formation vraiment scutiste. Il faut que je les ai ici, chez moi. Alors, en 1877, il a organisé un cours de théologie à Bruxelles même. En 1870, Vranckx posa la première pierre du séminaire pour la Chine
à côté de la chapelle de Skeuth et y organisa plus tard les cours de théologie. En 1887, une assemblée spécialement importante eut lieu à Erschichenau. Elle élut Van Erzeller comme supérieur général. Mais surtout, par leurs discussions, les participants mirent au point les nouvelles constitutions qui, finalement, procurèrent une certaine stabilité à la congrégation. En 1887, personne dans la congrégation n'avait encore des vœux perpétuels. Ça veut dire qu'il y avait là quelque chose qui manquait à la solidité de la congrégation. Hein. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas des vœux officiels, des vœux perpétuels, ça n'a pas de stabilité de toute cette construction de la congrégation. Alors finalement, cette année même, 1887, Vanaslav et Gluy, le premier assistant ici à Bruxelles, ont émis leur vœu perpétuel. Jusqu'à ce moment-là, de fait, il n'avait pas été jugé obligatoire d'émettre des vœux perpétuels. Manifestement, cela faisait courir à la congrégation le risque de départs imprévus et la menaçait dans sa continuité et même dans sa survie. Van Erzeller a voulu montrer le bon exemple et fut le premier à émettre des vœux perpétuels. Vanaslav est pour ainsi dire le deuxième fondateur de la congrégation. Verbeest le premier, Erzeller c'est le deuxième fondateur. Question d'organisation sage et habile. Mais la plus grande entreprise de Van Erzeller fut certainement l'expansion de la présence missionnaire de Skeuth au-delà de la Chine. C'était en 1888 et un nouveau continent, l'Afrique, s'ouvrait à l'évangélisation. Mais plus ou moins au même moment, le roi Léopold II avait conçu ce plan de l'appropriation de ce qui va devenir plus tard l'État indépendant du Congo. Et il a compris que pour mieux assurer les succès de son entreprise africaine, il fallait qu'il dispose de la coopération d'un institut religieux qui soit belge. Parce qu'en ce moment-là, il y avait nombre d'associations, disons, des dénominations protestantes dans ce qui n'était pas encore l'État indépendant du Congo qui avait précédé. Mais en ce moment-là, je crois que c'est encore Van Vrasselaar qui était super général. Il lui aurait rendu visite 6 fois pour demander la participation de CCM dans l'État indépendant du Congo. Mais comme il n'y avait pas de personnel, et le peu de personnel qu'on avait était impliqué en Chine, eh bien, il n'avait pas eu de succès. Mais je crois que plus tard, un de ses conseillers, je pense Emil Banning, il avait dit qu'il ne fallait pas s'acharner sur le super général, mais qu'il fallait s'adresser plutôt à la congrégation de la propagande fide. C'est comme ça qu'une lettre venue de propagande fide adressée au super général, à l'autre par obéissance. Donc, comme ça, déjà en 1888, commençait la première caravane pour le Congo. Sous le généralat de Van Erzeller, la congrégation prit en charge la direction du séminaire africain, qui, sous le parrainage du roi Léopold II et de l'Église de Belgique, préparait de jeunes missionnaires à partir pour le Congo. Le premier groupe partit pour l'État africain du Congo, nouvellement créé, en août 1888. Il était composé de Albert Guélui, Ferdinand Huberlant, Albert de Becker et Emery Cambier, le plus jeune de tous. Après un voyage pénible et dangereux, ils rejoignirent le village de Bobangi le 24 novembre de la même année. D'autres groupes arrivèrent les années suivantes, étendant l'effort missionnaire jusqu'à Nouvelle-Anvers et au Kasaï, le cœur du Congo. Comme ce fut le cas en Chine un peu plus tôt, au Congo aussi, la fatigue, la maladie et le climat malsain firent plusieurs victimes. Dans les 10 premières années, sur les 50 missionnaires envoyés au Congo, plus de 10 y laissèrent leur vie. La fougue extraordinaire d'Emery Cambier était légendaire. Seul, il alla à Mikalaï, dans la région du Kasaï, et y fonda la 3e mission.
il y demeura seul environ une année avant que d'autres compagnons le rejoignent. Appelé le pionnier du Kasaï, il venait d'avoir 30 ans. Mais il avait déjà une expérience et des dons au-delà de tout. Il était charpentier, maçon, menuisier, même infirmier, si c'était nécessaire. Tous des talents extrêmement précieux dans des lieux et des situations où tout devrait être construit et créé à partir de pratiquement rien. Dans cette mission, éloignée de Luluabourg, Cambier accueillit le supérieur général Van Herzeller dans le cours d'une longue visite aux missions africaines. Les missionnaires de Skeut s'engagèrent non seulement dans l'évangélisation, mais aussi dans la promotion des personnes, spécialement en construisant des écoles et des dispensaires. Dans les années suivantes, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, CICM planta de profondes racines. L'évangélisation produisit de bons résultats avec des enseignants et des catéchistes congolais qui collaboraient à l'œuvre. En 1934, fut ordonné le premier prêtre africain, Charles Mbuya. En ce temps-là, CICM était organisé en quatre vicariats apostoliques, Léopoldville, Nouvelle-Anvers, Boma et Kasaï. En Chine aussi, les missions prospéraient. Dans les années 1920-1930, il y avait plus d'une centaine de missionnaires européens et chinois et des douzaines de prêtres diocésains chinois collaboraient à l'effort commun. Partout, il y avait des écoles, des églises, des hôpitaux. On soignait les malades, on aidait les pauvres, on éduquait les enfants. Pourtant, aussi bien en Chine qu'au Congo, plus de 200 jeunes missionnaires âgés de 20 à 30 ans moururent à cause des guerres, des maladies et de la dureté des conditions de vie. Devenir missionnaire signifiait risquer une mort prématurée. Malgré ce risque et ce nombre énorme de vies perdues, des candidats continuaient à se présenter. Désireux de donner leur vie à l'expansion de l'Évangile, la congrégation continuait de croître. Entre-temps, d'autres défis se sont présentés à la jeune congrégation missionnaire. Des défis qui vont l'ouvrir davantage et la rendre plus internationale. L'engagement aux Philippines et en Indonésie. En 1898, l'Espagne cédait les Philippines aux États-Unis pour 20 millions de dollars. Pendant les années suivantes, la présence catholique missionnaire a été bien affaiblie par l'expulsion de tous les missionnaires espagnols. Ils furent remplacés par des missionnaires protestants d'Amérique du Nord. Le délégué apostolique des Philippines demanda à différentes congrégations d'envoyer des missionnaires, car beaucoup de paroisses étaient restées sans personnel. Après quelques hésitations, le nouveau supérieur général, Adolf van Eck, accueillit la demande. En novembre 1907, 10 missionnaires, conduits par Petrus Dirix, arrivèrent à Manille. Certains furent envoyés dans la région montagneuse de Bontoc, d'autres dans la ville de Baguio, dans la région au nord de Manille, d'autres enfin à Nueva Biscaya. Un hôpital et une université furent construits à Baguio, une église et une école à Bontoc. En peu de temps, après des efforts inlassables, on en arriva à plus d'une douzaine de missions un peu partout dans le pays. En 1937, ce fut le tour de l'Indonésie. La Congrégation pour la propagation de la foi décida d'attribuer au missionnaire CICM la partie sud de l'île de Celeb, connue aujourd'hui sous le nom de Sulawesi. Ce territoire incluait la ville de Makassar, la région de Touraja et l'île de Muna. Les premiers missionnaires furent conduits par Gérard Martens. Ils travaillèrent durement pour construire et faire démarrer des écoles et des dispensaires en plus de leur nécessaire engagement dans l'évangélisation. Une tempête frappa la jeune mission quand, en 1942, l'archipel fut occupé par les troupes japonaises.
l'armée impériale conquit rapidement Sulawesi. Tous les missionnaires CICM furent internés dans des camps de travail, dans des conditions inhumaines. Seuls deux prêtres indonésiens furent laissés pour continuer le travail de la mission. Grande surprise, ils furent aidés par des prêtres japonais attachés aux troupes d'invasion. Mais le plus grand drame était encore à venir. L'arrivée du communisme en Chine devait être fatale pour la présence CICM dans cette grande nation asiatique. C'était des manifestations d'inhostilité des Chinois vis-à-vis de l'étranger. Les catholiques, les missionnaires étaient un peu donc, la tête de pont, la présence symbolique la plus puissante de cette présence étrangère dont ils ne voulaient pas. Alors avec les partis communistes, ils sont passés aux voies des fesses, parce qu'alors là, on leur appliquait les méthodes chinoises, incarcération, lavage des cerveaux, et puis confession publique, et puis il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été expulsés. Et je crois que c'était après, après le début de cette expérience, quand le père Joseph Van de Put, donc il a géré la convention pratiquement pendant 17 ans. Il s'est rendu en 1947. Il a tenu une réunion avec les cinq provinciaux qu'il y avait là en Chine. Et c'est alors qu'il a pris cette décision-là qu'il fallait que le jeune confrère aux études en Belgique, destiné en Chine, devait être envoyé vers d'autres nouvelles missions. Et que ceux qui étaient sur place, malades ou un peu âgés, devaient rentrer en Belgique. Comme cela arrive souvent, un événement douloureux crée de bonnes occasions, comme le dit un proverbe populaire. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. L'expansion de la congrégation se renforça à partir de la fin de l'expérience chinoise. Paradoxalement, le charisme original de Skeut fut renforcé. Les missionnaires qui travaillaient en Chine se répandirent partout, prêts à rencontrer de nouvelles sociétés, prêts à réaffirmer la nature universelle du christianisme au-delà de toute barrière culturelle et anthropologique. Les missionnaires de Skeut étendirent immédiatement leur aire d'activité à Taïwan, Hong Kong et au Japon. Le 12 janvier 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ernest Dieltens atterrit à l'aéroport de Miami. Après un voyage aventureux depuis Tianjin, en Chine, il arriva aux États-Unis pour demander de l'aide pour les missionnaires CICM internés par les Japonais. Mais ce fut là le point de départ d'une histoire qui, dans quelques années, serait la naissance de la première mission dans les Amériques. On acheta une propriété à Arlington, en Virginie, et son nom fut changé. De Lyorust, cela devint Missionhurst. Ce fut le nouveau nom des skeutistes aux États-Unis, les missionnaires de Missionhurst. Les missionnaires allèrent d'abord en Pennsylvanie et en Ohio, puis dans le sud au Texas, en Louisiane et en Oklahoma. C'était le début de leur œuvre avec les Mexicains au Texas et avec les Indiens américains en Oklahoma. On porta l'attention surtout à l'organisation des communautés et aux personnes marginalisées pour les aider à acquérir leurs droits civils et sociaux. C'est à ce moment que la congrégation devint vraiment et visiblement internationale. Ce ne furent pas seulement des Européens chassés de Chine qui vinrent sur le nouveau continent, mais aussi de nouveaux membres congolais de la congrégation. Plus tard, des Philippins et des Indonésiens s'y joindraient aussi. Haïti est peuplée par des descendants des esclaves.
en 1804, ils proclamèrent leur indépendance de la France et créèrent la première République noire de l'histoire. L'oppression coloniale, la déforestation incontrôlée, la forte densité de la population, les maigres ressources et une succession de régimes corrompus et oppresseurs ont fait et continuent à faire de Haïti un des pays les plus pauvres du monde. C'est en 1953 que CICM y commença son travail, venant en aide à une population qui avait besoin de tout. On ouvrit des dispensaires et des écoles. Des projets d'alphabétisation et de promotion sociale furent développés, destinés surtout aux jeunes paysans vivant loin dans les montagnes. Il y eut des projets spéciaux, avec un centre de formation pastorale à Papaye et un programme de divertissement pour des jeunes appelé Kiro. En 1987, après la dictature et le rejet de Duvalier, succéda une période de violence. Avec tout le monde, la congrégation eut à souffrir d'attaques et d'intimidations. Mais les missionnaires restèrent à leur poste, partageant les anxiétés, les peurs et les abus dont souffrait leur peuple. Entre 1950 et 1970, d'autres missions furent lancées dans d'autres pays d'Amérique latine, au Guatemala, en République dominicaine, au Brésil et à Mexico. Partout, les missionnaires font un travail extraordinaire pour les pauvres, les droits de la personne et la justice sociale, suivant les consignes et le vent de renouveau apporté par le Deuxième Concile du Vatican. Trois martyrs CICM, le père Conrado de la Cruz, le père Walter Vurdeckers et le frère Serge Berten, furent tués au Guatemala, signe évident de ce vent nouveau. Nous voulons aussi nous souvenir du père Joseph Chang Shui, né en Chine et élevé dans une mission CICM. Il aurait pu fuir en Europe quand les communistes prirent le pouvoir. Il décida au contraire de rester en Chine par amour de son peuple, et pour porter témoignage à l'évangile du Christ. Arrêté par le régime communiste, il passa 7 ans en prison et 12 autres années dans un camp de travail. Il fut libéré finalement en 1979. Pendant plus de 35 ans, il lui fut interdit d'agir en tant que prêtre ou d'avoir des contacts avec ses frères CICM. Ces derniers avaient perdu toute trace de lui quand ils le retrouvèrent à la fin des années 1980. Il mourut en 1991. Après une longue maladie. On écrit de lui, Chang a été un grand missionnaire chinois, un homme de grande foi, de courage et d'espérance, qui aimait son pays et l'Église catholique chinoise pour laquelle il a donné sa vie. Le 25 janvier 1959, quand le pape Jean XXIII annonça la convocation d'un concile œcuménique, la profondeur des changements qui allaient affecter l'Église et toute la chrétienté n'apparaissait pas clairement. Il y eut deux directions essentielles dans les réformes conciliaires. Le retour aux origines, au cœur du message du Christ, ce qui implique le choix d'une Église qui n'accepterait plus de boire aux fontaines du pouvoir temporel et le besoin d'un dialogue productif avec le monde moderne et les autres religions. Une des décisions de ce concile fut que toutes les congrégations modifient leur constitution comme un signe de renouveau conciliaire. CICM commença aussi sérieusement ce travail avec une assemblée générale en 1967 et l'approbation finale des nouvelles constitutions en 1987. Dans les années 1960 et 1970, ce renouveau conduisit à des ouvertures de missions au Cameroun, en Zambie, au Sénégal et plus tard en Mongolie. Au Congo, aux Philippines et en Indonésie, où CICM avait planté de solides racines, les efforts d'évangélisation et de promotion sociale se répandirent. Au Congo, on ouvrit un établissement d'études religieuses. Le noviciat démarra à Mboudi et le nombre de vocations augmenta. En 1989,
il y avait 146 prêtres congolais. Aujourd'hui, le nombre des confrères a beaucoup diminué. Alors, concernant la contribution de notre institut à l'Église du Congo, nous pouvons dire que non seulement on a fondé des missions, ce qui veut dire qu'il y a eu des écoles, ça fait que les pères de Scout ont formé non seulement une masse de chrétiens, mais aussi une élite intellectuelle parmi les dirigeants actuels qui sont au Congo. Et alors, aujourd'hui, le nombre de missionnaires diminue, mais je crois que, comme on dit, si la quantité n'est pas là, la qualité est toujours là. Aux Philippines, CICM ouvrit un séminaire dans la ville de Baguio, tandis que le principal séminaire diocésain à Manille lui était confié. Ce pays devint aussi un important réservoir de vocations. De réceptrice qu'elle était, cette église devint elle-même une église qui envoie ses missionnaires. Pendant cette période et pendant les années suivantes, la transformation internationale de CICM fut complétée. L'épicentre belgo-hollandais a glissé vers d'autres continents. CICM s'est lancé dans sa propre universalité. La formation des nouveaux candidats s'est déplacée au Congo, aux Philippines, au Cameroun, en Haïti et en d'autres endroits. Ces missionnaires vont et viennent dans tous les coins du monde, promouvant l'idéal de fraternité humaine que nous trouvons partout dans l'Évangile. À l'entrée, il y a toute une galerie, ce qu'on appelle la galerie des photos. Il y a à peu près 3500 photos, c'est-à-dire de tous ceux qui ont fait partie, jusqu'à nos jours, de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Donc le fondateur, en 1862, à partir de ce moment-là, jusqu'à nos jours. Depuis 1862, quand le père Théophile Verbiste fonda la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, plus de 3000 prêtres et frères ont accepté le défi et l'aventure de quitter leur pays pour apporter la bonne nouvelle aux peuples du monde entier.